Bonsoir à tous et je vais parler de Resident Evil 2. Alors ça va pas être une review, ça va pas être moi qui vous essaye de vous donner une idée de si vous devez le prendre ou pas. Parce que je pense pas que je peux faire justice en fait au jeu. Je vais seulement, tout simplement, partager les expériences que j'ai eues avec ce jeu. Et elles ont été vraiment top. Personnellement, très gros fan de la franchise de Resident Evil. Mais je préférais donc évidemment c'était du coup le 2 et le 3, donc les originaux. Donc Resident Evil 2 est sorti en 1998, c'est vieux, je suis vieux, vous êtes vieux, nous sommes vieux. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment les moments qui m'ont le plus marqué dans le jeu vidéo. Ce sont des jeux comme ça, c'est pour ça que ces jeux restent cultes en fait. Beaucoup de gens encore ils jouent de nos jours, il y a des speedruns tout le temps, il y a des trucs comme ça. Et ce remake, est-ce qu'il fait justice à l'original? Pour moi, totalement. Totalement, mais pas que. Pour moi, en tant que fan, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir en fait partager ce que j'ai ressenti genre en 98 en fait. Avec ce remake, aux nouvelles personnes. Parce que, pour un fan, ça nous fait mal de voir des choses dérivées qui ne marchent pas. Par exemple, personnellement, moi, j'ai vu Resident Evil changer. Entre le 4 qui est devenu un peu plus action, personnellement, c'était pas vraiment mon style. J'aimais pas vraiment... Je sais que beaucoup de gens considèrent le 4 en étant un des meilleurs. Plus maintenant. après le 5, encore plus action encore, il était fun parce qu'il y avait la coop, tout ça. Le 6 était un peu du grand, n'importe quoi. Et ça me faisait un peu de la peine. Même les révélations étaient bien, le 1 était bien, révélation 2 était moins bien quand même. Ben voilà, il n'y avait plus vraiment d'espoir pour retrouver en fait les sensations que j'avais eues en 98 et en 99, parce que je crois que Resident Evil 3 est sorti juste un an après sur la PlayStation à l'époque. Et pour moi, voilà, il n'y avait plus d'espoir de pouvoir faire partager ce que j'ai ressenti il y a des années. Et ça me faisait de la peine, voilà. C'est tout con, mais ça me faisait de la peine de ne pas pouvoir en fait partager ça avec une personne. Avec une nouvelle personne, hein, parce que vous n'avez pas à dire à quelqu'un... Tu devrais jouer à ce jeu. Bon, le jeu il est sur PlayStation et c'est horrible, alors que toi t'es là à jouer à des jeux qui sont en 4K à 150 FPS. On peut pas, c'est très difficile en fait de partager ça en fait avec une nouvelle personne. Et moi personnellement ça me faisait chier parce que j'aime bien partager ce que j'aime. Et là avec ce remake, waouh. Avec ce remake, tout est bon, tout est bon. Alors oui, on peut toujours parler... Alors il va y avoir, attention, quelques spoilers évidemment. Mais vous connaissez déjà tout, même si vous avez jamais joué au jeu, vous avez sûrement vu des images et tout ça. Ça va pas du tout vous casser en fait votre première fois sur le jeu, ça va pas casser ça, ça va pas casser l'histoire. Donc voilà, ce sont des spoilers minimes pour vous donner en fait des images sur ce que je raconte. C'est tout, vous inquiétez pas, vous pouvez écouter la vidéo, il y aura pas de problème. Mais il y a des moments... Ou par exemple, Mr. X arrive, le côté oppressant d'avoir une chose que tu ne peux pas arrêter, qui te poursuit. Alors ça a été fait plusieurs fois dans certains jeux, dans n'importe quel jeu, mais là ça a été très 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 bien fait. L'aspect survival horror en fait est remis au goût du jour avec les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques d'aujourd'hui. C'est vraiment le Resident Evil 2 original remis au goût du jour, mais parfaitement bien. Alors comme je disais, oui, on peut toujours parler de certaines choses, par exemple les scénarios qui se ressemblent un peu, par exemple Léon et Claire qui combattent le même boss à certains moments, ce qui n'est pas vraiment logique en fait si on fait scénario A et scénario B, ça ne devrait pas arriver. L'original l'a mieux fait. C'est vrai que dans un sens, pour ça, l'original a mieux fait les scénarios. Celui-là, moins bien. Est-ce que ça gâche le jeu? Pas du tout. Ça ne gâche pas du tout le jeu. Le jeu est vraiment top. Bon, par contre, le problème, c'est que si vous faites le scénario B, vous savez plus ou moins ce qui va arriver. Mais il y a quand même beaucoup de différences, puzzles différents. Il y a plus ou moins de certains monstres, en fait. Il y a des rajouts. Il y a des nouveaux boss aussi. Donc voilà. Donc il y a toujours assez de différences pour vous dire que ça vaut quand même le coup et que ce n'est pas gâché. Mais comme je disais... L'aspect en fait de Resident Evil qui a été perdu, c'est le survival horror. C'est l'aspect en fait où le jeu va vous donner un boost d'adrénaline et cette adrénaline va enclencher quelque chose. En gros, pour moi en tout cas, ça fait bizarre de parler comme ça, mais pour moi c'est ça. Ça va m'enclencher le coup de survie. L'ambiance est énorme. L'ambiance est super bien faite. Les jumpscares marchent
super facilement du coup, vu que l'ambiance est top. C'est vrai que beaucoup de gens en fait gâchent leur ambiance et du coup ils veulent vous faire peur en faisant des jumpscares. Ça ne marche pas ça. En tout cas pour moi, vous pouvez, je sais pas, il peut rien se passer, puis après vous me foutez un truc en pleine gueule, ça va rien me faire parce que j'étais pas sur la défensive, j'étais pas en crainte en fait, en peur. J'étais pas en peur, j'étais pas en mode de peur et de crainte, donc le jumpscare va me rien me faire. Là j'ai eu des jumpscares à la con, genre un zombie qui tape à la fenêtre. Et ça m'a fait peur, ça m'a fait sursauter de ma chaise. Et pourquoi? Parce que mon attention, elle était focus en fait sur autre chose, par exemple Mr. X, qui était en train de me chercher dans le commissariat et j'entendais ses pas tout autour de moi. Et là, le jumpscare à la con du zombie qui tape à la fenêtre m'a fait sauter de ma chaise. Ça, c'est bon. Ça, c'est très 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 bon. Et donc, tout ça pour dire que Resident Evil 2 fait très bien les choses et ce jeu, personnellement, moi, m'a fait revenir au moment dans le 2 et le 3 où j'avais peur. Et je voulais survivre en fait, c'est ça le truc. Et encore une fois, la survie est extrêmement liée à la difficulté du jeu. Ça c'est un peu triste par contre, donc il y a facile, normal et difficile. Je vous conseille vraiment, alors pour votre première fois, je sais que ça va être dur. Vous risquerez même de vous énerver à des moments. Mais honnêtement, s'il vous plaît, jouez en hardcore. Jouez vraiment en hardcore. Pourquoi ? Alors, hardcore reprend la difficulté d'avant. Alors, déjà, pour vous donner un exemple, les difficultés dans Resident Evil 1998, l'original, c'était facile et normal. Il n'y avait pas de difficulté, ça n'existait pas, difficile. C'était facile et normal. Pour nous, maintenant, ça se traduit par normal et difficile, le facile et normal d'avant. Maintenant, il y a trois niveaux de difficulté, et en fait, le niveau normal, ce qui est bête, c'est qu'il n'y a pas d'option pour ça. Mais vous pouvez sauvegarder autant de fois que vous voulez, et plus ou moins où vous voulez. Je crois même qu'il y a une sauvegarde automatique, je crois. J'ai pas joué en normal, j'ai pas joué en facile, j'ai joué seulement en hardcore. J'ai fait Léon A, Claire B, et Claire A, et je vais faire Léon B sûrement demain en stream. Et j'ai fait que du hardcore. Et le hardcore, en fait, reprend bien sûr l'ancien système de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il vous faut des rubans en creux pour pouvoir sauvegarder. Si vous n'en avez plus, hey, vous pouvez plus sauvegarder. Vous n'avez pas intérêt de crever, hein. Ce serait con hein, de devoir refaire votre run. Y a ça. Les ennemis sont quand même assez résistants. Vous avez vraiment peur, même si c'est des zombies. Ils sont assez coriaces. Ils sont coriaces de 1 et ils sont assez réactifs. Et ils peuvent vraiment vous submerger et vraiment vous faire vraiment peur et mal. Surtout s'ils arrivent à vous toucher. Donc ça, c'est vraiment le côté hardcore qui rajoute de l'ambiance. Donc ça, c'est un peu triste du côté du fait que ça soit lié à la difficulté. Mais vraiment, je vous demande honnêtement, si c'est la première fois que vous jouez au jeu, jouez en hardcore. Jouez vraiment en hardcore. Vous allez avoir des sursauts. Vous allez avoir de l'adrénaline. Vous allez mourir. Honnêtement, vous allez mourir, il y a des passages, même moi qui connais le jeu, le premier jeu, l'original par cœur, il y a des nouveaux passages, il y a des nouveaux monstres, il y a des nouvelles choses. Des fois, l'histoire, par exemple, avec une suite genre histoire A, B, C, D, tout ça, c'est tout chamboulé. Vous retrouvez, je sais pas, à l'extérieur de Raccoon City en plein milieu du jeu, alors que ça n'existait pas avant. Il y a plein de choses comme ça, et ça reste, c'est un nouveau jeu. C'est vraiment un nouveau jeu qui garde, en gros, en fait, la trame principale, l'histoire principale, mais vraiment c'est vraiment un nouveau jeu, et même pour un vétéran, on va dire, je vais m'appeler ça comme ça, un vétéran, je suis un vétéran de Resident Evil 2, même pour moi, j'ai lutté en hardcore, j'ai vraiment lutté en hardcore. Par exemple, beaucoup de gens se plaignaient pour Resident Evil 7 quand il est sorti par rapport à la difficulté la plus élevée, je crois que c'était quoi, professionnel ou un truc comme ça. Personnellement, moi je l'ai fait avec la difficulté la plus élevée dès le début, genre je fais souvent mes premiers jeux en fait en difficulté élevée. Je pense que maintenant de nos jours, depuis les 10 dernières années, il faut les faire en difficulté élevée. Normal, c'est trop casu pour moi, c'est trop casual, on va dire. C'est trop simple et je pense pas que ça vous donne les bons sentiments, le bon feeling en fait par rapport au jeu. Et Resident Evil 7, je l'ai trouvé super simple. J'ai même pas dû mourir. Je le trouvais super simple, super ennuyant. C'était ennuyant. Toujours les mêmes monstres et tout ça. Il n'y avait pas de survie pour moi. Ça m'a pas évoqué ces sentiments-là. Resident Evil 2 a complètement changé ça. J'ai eu de la peur, j'ai eu du stress, j'ai eu de la survie, j'ai eu de l'adrénaline. J'ai eu des moments où c'est que j'étais. Je criais. Il y a des moments où je criais, je dis non, il est là! J'ai entendu un grognement. Pourquoi lui il est indemne? Il a rien du tout quoi. Non, non, merde. Non, non, non! Encore lui! Putain de merde! Non, tu déconnes! Beaucoup de fois, dès que je voyais quelque chose, je me disais, oh non, quelque chose est là. Quand je dis il, c'est pas que Mr. X, attention, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit, merde, il y a un
Il y a un couloir, il y a un truc devant moi, je peux pas le passer, qu'est-ce que je fais? Je sortais la carte et là il y avait mon cerveau qui devait réfléchir. J'étais là, putain, je fais le demi-tour, je descends les escaliers, je passe par l'aile est, je passe par le bureau. On peut faire un détour, c'est pas mal. Attention, j'ai oublié qu'il y avait un liqueur dans la salle que j'ai pas tué parce que j'ai pas assez de munitions. Ok, on va faire un détour. Ça, ces moments-là, quand vous êtes là en fait en mode panique à vouloir survivre, ça c'est quand, et c'est là que vous vous dites, ok, le jeu il marche. Là, vous vous dites, le jeu il fait très bien les choses. Et c'est ça qu'il faut. Donc, encore une fois, faites le jeu en hardcore si vous ne l'avez pas encore fait. Ça va vraiment vous changer votre expérience. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Honnêtement, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Déjà, j'en parle beaucoup en stream. On y joue, puis après, je fais toujours une grande pause une fois qu'on a fini le scénario à en parler. Mais ah, ce jeu est super. Je pense que c'est un des meilleurs jeux survival horror que j'ai eu depuis facilement les 5 dernières années. Donc ça inclut Resident Evil 7, là, facilement. Pour moi, il est beaucoup mieux que Resident Evil 7. J'ai eu des moments de fou, de délire, en plus en stream avec le chat et tout ça. Tout le monde a aimé, tout le monde a aimé, tout le monde a apprécié ce jeu. Pour vous dire, par exemple, Resident Evil 2 a tellement bien marché. Alors en 4 jours, ils ont regardé les ventes. En 4 jours, il a dépassé les ventes de Resident Evil 7. Resident Evil 7 a marché, pourquoi? Parce que 5 et 6, en fait, devenaient de plus en plus action, tout ça. Mais le 7 était redevenu un peu survival horror. Pour moi, c'était pas assez. Ça m'a pas, comme je disais, ça m'a pas procuré ces sentiments de survie et de peur et tout ça. Mais Resident Evil 7 a bien marché. Resident Evil 2 Remake a mieux marché que le 7. Ils ont compté, je crois, en 4 jours les ventes du 7. Ils ont comparé les 7, les ventes du 7 et du remake. Le remake a mieux marché. C'est mieux vendu que le 7. Et sur Twitch, pendant la sortie, donc pendant plusieurs heures, en fait, le jeu était le plus streamé de la plateforme. Alors, ça veut tout et rien dire, je sais, mais le jeu le plus streamé, c'est Fortnite. Voilà, c'est tout le temps Fortnite. Pourquoi les plus gros streamers, genre ceux qui ont 40 000 personnes, 20 000 personnes, tout ça, stream beaucoup Fortnite, donc c'est sûr que le Fortnite reste le plus streamé, le plus regardé plutôt, pardon, le plus regardé, c'est important. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. Resident Evil 2 avait pas les plus gros streamers, j'ai pas vraiment vu des streamers genre à 20 000 personnes, 40 000 personnes, mais j'ai vu un nombre inimaginable de personnes qui le streamaient, et moi-même, bien sûr. Et du coup, Resident Evil 2, pendant un moment, était le jeu le plus regardé et le plus streamé. C'était magique. Et pour moi, je pense que c'est important pour ça. Et ça montre vraiment que, comment dire, les sentiments que j'ai eus en 98 sont bien remis au goût du jour dans celui-là. Et enfin, pour moi, en tant que fan, je peux partager ce que j'ai vécu à l'époque. Et ça, pour moi, c'est important. Et ouais, ça me fait plaisir. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir voir des personnes qui n'étaient pas habituées au Resident Evil comme ça, en fait, de voir le survival horror sous cet angle-là en disant, ouais, non, mais normalement, on survit, il y a des monstres et tout ça. De voir des personnes qui ne savaient plus quoi faire. Des personnes qui étaient démunies face au jeu en se disant, putain, mais c'est trop dur. Il y a même des gens qui connaissent Resident Evil 2, qui ont déjà joué plusieurs fois au 2, qui sont là, je ne peux pas jouer en hardcore parce que je n'y arrive pas pour le moment. Ça, quand je vois ça, quand quelqu'un me dit ça, je dis, ah, ok, le jeu, il a bien fait ses choses. Et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Je voulais dire, dernière petite chose, on va avoir un Resident Evil 3. Capcom a expliqué en interview, je sais plus sur quel. Enfin, je sais plus où je l'ai vu, je le mettrai sur Twitter sûrement. En interview, ils ont dit, Resident Evil 3 va être lié aux ventes de Resident Evil 2 Remake. Donc on va faire vraiment le 3 seulement si les ventes sont bonnes. Les ventes, elles ont cartonné, mec. Les ventes, elles ont dépassé Resident Evil 7. Donc on va avoir, c'est 99% sûr, on va avoir Resident Evil 3. Et là, ça va être encore le top. Ça va être encore le top. Personnellement, je suis là, et c'est un peu méchant de ma part, je suis là à boycotter Resident Evil 8. Resident Evil 8 va repasser en FPS et tout ça. Alors peut-être que les ventes et la réussite en fait de Resident Evil 2 et 3 plus tard, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans je dirais, peut-être va influencer en fait sur la direction de Resident Evil 8. Et du coup, on va avoir une sorte de Resident Evil 7, mais beaucoup amélioré. Parce que le 8 va être en première personne, ils l'ont annoncé ça. Hein, et il est déjà en production, tout ça, ils l'avaient déjà dit. Alors peut-être que ce projet-là va mettre un peu plus de temps à sortir du coup, parce qu'ils vont devoir faire le 3. Mais ça peut être que du bon. Alors,
Est-ce que le 8 va être différent? Est-ce que ça va être dur de voir, hein. Mais s'il est comme le 7, il ne va pas vraiment bien marcher parce qu'on voit que Resident Evil 2 Remake marche mieux que le 7. Donc s'il est comme le 7, si c'est goutte à goutte comme le 7, ça va pas marcher. Il n'y a pas assez de monstres, il n'y a pas assez de trucs. L'aspect première personne, ça ne marche pas vraiment, etc. Par contre, s'ils prennent l'expérience du 2 Remake et du 3 Remake et qu'ils le mettent dans le 8 peut être pas mal aussi. Donc je suis pas vraiment là à bloquer le 8, mais c'est vrai que je suis plus pour le fait de faire un Resident Evil 3 remake. Je suis complètement dedans. Et honnêtement, j'ai pas envie de casser. Parce que cette sensation du survival horror qui revient au goût du jour avec Resident Evil 2. Après on va avoir maintenant, alors j'espère encore une fois, je croise les doigts, on touche du bois, d'avoir Resident Evil 3 remake. J'ai pas envie de la casser. Moi je veux peut-être un remake du premier, je veux peut-être un remake de Code Veronica, je veux peut-être. Je veux tout en fait, tous les Resident Evil, même le 5, même le 6, même le 7, avec le même gameplay, la même chose que le 2 remake. Franchement, honnêtement, si j'avais toute la franchise comme ça, je serais le plus heureux du monde. Je serais le plus heureux du monde. Donc voilà. En tout cas, on va s'arrêter là parce que je parle déjà. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. C'est une catastrophe. Déjà, j'ai eu du mal à faire cette vidéo. Donc bon. Alors, voilà, prenez Resident Evil 2, faites-vous plaisir, encore une fois, faites-le en hardcore. Moi, je pense que cette année-là, ça va sûrement être mes jeux les plus streamés, ça va sûrement être bon, en thème, parce qu'il y aura du multi, tout ça, donc j'en ferai avec les personnes du Discord et tout ça, mais quand j'aurai des moments où c'est que j'ai envie de jouer seul, ça sera Resident Evil 2 et basta. Même quand je l'aurai fait 50 000 fois, j'y rejouerai encore parce que ça va être top. On va avoir des DLC, des nouvelles histoires aussi. Et surtout, moi je l'ai sur PC et j'espère que la communauté va faire des mods dessus. Genre un mode randomizer, un mode avec les ennemis au hasard, un mode, je sais pas, peut-être rajouter Nemesis du 3 dans le 2. Ah, je veux vraiment des trucs cool. Je veux vraiment des trucs cool. Ah, voilà. Meilleur jeu de la planète. Voilà, meilleur jeu de la planète et des 5 dernières années dans le survival horror, en tout cas pour moi. 5, peut-être 10 années, je sais pas. Mais voilà. Amusez-vous sur Resident Evil 2. Et n'oubliez pas, hardcore. Hardcore. À la prochaine, salut.